Et yo tout le monde, c'est Tarlok56, toujours avec mon très cher Nello. Oui, 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 toujours là, Nello la poisse. Ah, cette fois, c'est pas moi qui le dis, c'est toi. Donc, toujours sur du DBD. J'aime pas quand c'est silencieux comme ça. Oh my god. C'est qui? C'est le clown. Oh putain. Encore ça va, le clown, si le gars ne sait pas jouer. Ouais. Ouais. Et hop, 1000 points de sang en décrochant un réceptacle. Oh merde, il m'a vu. Je crois qu'il sait jouer. Oh oui, je confirme. Je confirme, il est en train de m'annihiler. Avec ses gaz poison toxiques là. Non. Jamais eu autant de stabilité sur un générateur. Dark, personne vient m'aider. Ouais, j'arrivais si je vois. Ah si, mais il est blessé alors je sais pas. Tiens, il y a le tueur à côté. Non, non, il revient. Il m'a lâché. Ah oui, il vient de te décrocher. Il est parti sur l'autre mec. Bon, je suis pas sûr que ce soit. C'est momentanément. Vers moi. Ah. Oui, je l'ai décroché. Je l'ai décroché, c'est normal. Ouais, mais pourquoi il m'a lâché? Bah parce que j'ai décroché le gars. D'accord. Ah merde! Je suis gouré! Non, t'inquiète, j'ai parlé sur vous. En fait, j'ai serré sa mosquée parce que je suis gouré de sens. Merde. Ah, je
je suis à peine en PA. Hein. Faites des générateurs, hein, Simcamp, vous faites des générateurs. Quoi ? Quand ? Non, il a bougé. Si, il est vers moi. Putain, il chauffe. Je ne vois pas, mais c'est chauffe. Il est sur moi. Il est sur toi ? Ouais, il est sur la moissonneuse batteuse. Ah, mais il voit en fait, il me voit du coup. Il observe. Putain. Il est parti sur. Viens sur moi. Tu nous le ramènes là. Putain. Non mais il est trop chiant. C'est vraiment un tueur toxique. Oh là là. J'ai fait une diversion loin, il va sûrement y aller après. Tiens mon petit Nélo. Il est sur moi. C'est loupé. La porte près de la moissonneuse va être ouverte. Il est sur moi, il va me tuer. Et en plus, on était déjà en P2 donc. À moins que. Là, il va le brain, ça va être chaud. Pour l'instant, il m'a raté. Essaye de diriger vers la moissonneuse batteuse. J'essaye, mais il m'en balance des trucs. Ah, ah palette. Et de toute façon toi t'étais en P2 donc tu peux rien. Tu peux rien pour toi. Ah j'aime pas ça putain. Ouais une autre pièce d'or, je peux acheter une autre pièce. Oh putain 300 points. Pas perdu de l'arme, sinon tu es. Non, ça va. Je gagne pas non plus de l'arme. Qu'est-ce que j'ai gagné? C'est bon. Moi j'ai gagné une arme en plus. Bon bah tu vois, du coup il a pas aimé qu'on le brain. Encore premier au point. Alors honnêtement, avoir sur soi l'auto-soin, c'est vraiment la base. Donc pour ceux qui jouent à ce jeu-là, s'ils savent pas comment prendre l'auto-soin, enfin ou qui veulent commencer, le perso de base a monté niveau 40. Je vais vous le montrer. C'est Claudette Morel.
vous la montez niveau 40, vous obtenez l'auto-soi qui après vous débloquez pour tout le monde. Vous la montez niveau 40. Voilà. Après, moi, j'ai aussi monté Néa. Juste par rapport en fait qu'à la sa évasion urbaine, qui fait qu'en étant accroupi, on a une augmentation de la vitesse de 100%, ce qui est non négligeable. Attention équilibré, c'est pas trop mal, mais ça, de toute façon, je vais le remplacer par l'auto-soin. Et je vais remplacer le déjà vu par ma compétence de jeter un caillou. Hop, on va aller à la petite boutique. Donc, ici, vous pouvez voir, on peut acheter tous les pleins d'objets. Je ne prends pas pour tueur parce que, comme j'ai une très mauvaise connexion chez moi, en fait, jouer tueur ne m'aide pas. Ça ne m'arrange pas de jouer tueur. Donc oui, j'achète en avance, donc oui, je ne pourrai porter que quand j'aurai débloqué Fenwick. Et après, il manquera plus que cette petite robe-là et je l'aurai tout en rouge. Donc, bah sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.